Et bonjour YouTube. Suite de nos aventures sur Horizon Forbidden West, nous reprenons nos aventures, nos chasses à l'écureuil et aux composants de machines. Mais aussi et surtout du scénario, car il est vrai que suite du coup à la découverte finalement de la première zone de jeu, finalement on a plus passé notre temps à se balader et à faire des trucs secondaires. Et c'est vrai que le principal est passé un peu à la trappe. En sachant que bon voilà, il y a beaucoup de choses qui pour l'instant nous sommes... beaucoup de choses sont bloquées, on peut dire ça comme ça. Parce qu'on n'a pas les accessoires et compagnie. Alors ça, on n'y est pas allé. Mais je me dis que, bon, est-ce que c'est vraiment pressé? Ça me titille, j'ai quand même envie d'y aller. Cela dit, je crois qu'on avait une quête secondaire et ça se passait par ici. Il fallait parler au magistrat et après, je crois qu'il y avait un truc où il fallait aller... c'était au sein du village, enfin, bon, bref, je sais plus. Et on avait Eren qui était par ici. Donc, maintenant qu'on est stuffé et compagnie, bon, c'est vrai que la question se pose, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que j'avais en tâche? Hausse de Pécari, ouais, d'accord. Hausse de chien de prairie, ok. Peau de lézard à cornes. Plume de vautour. Hausse de lézard à cornes, plume d'oie, ok. Bon, ça, c'est des choses que je pense nous allons trouver plus tard. Ok, je suis en train de régler le volume de mon casque. Bon, je me dis que tant qu'on est là, on peut peut-être éventuellement s'occuper de cette quête. Ce serait pas mal, parce qu'on y est. Alors je crois que c'était pour du niveau 7, mais on est niveau 6. Ça va le faire. Ça va le faire, tant que je confonds pas carré et rond. Alors oui, la dernière fois, on avait validé la quête avec le cuistot. Et suite à la validation de cette quête, il nous a fait manger un bon petit repas et on avait un bonus plus de la vie boostée. Et en fait, bon, à ce moment-là, on a coupé la VOD, on a coupé l'épisode. Et j'ai voulu en fait relancer le jeu juste pour voir si ça avait vraiment save et du coup si je revenais au point où on s'en est arrêté, ce qui était le cas. Mais par contre, on a perdu le boost de vie. Qui était temporaire, hein, voilà. Mais on a le bonus, mais enfin, on a le bonus passif, mais pas le bonus de vie. Et c'est dommage. Bref. Sauveuse, merci de m'accorder du temps. Et navré que tu aies eu à endurer la logorée d'Ulvut. J'ai connu pire. J'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable de tout. L'idée même que les Karja aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les Quars, c'est complètement ridicule. Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans les Quars? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage. À ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange. Aide-moi à faire taire Ulvund. Mais attends, mais c'était pas la caverne souterraine, là? Parle-moi de ce contrat de concession que veut Ulvund. Il souhaite que l'Helium déclare certaines parties des Quars propriété des Océram. Pas la totalité, bien sûr, seulement les zones rentables. Laisse-moi deviner, il espère en tirer un profit personnel? Exactement. Une fois la loi des Océram instaurée, il pourrait tirer encore plus de bénéfices des nombreux commerces. Il n'aura pas ses investissements sans la concession? Non. Pas tant que l'Helium a encore des chances d'en révoquer l'accès. Voilà. C'est pourquoi la concession est si importante pour lui. Et c'est pourquoi le fait d'accuser les Karja pour ses fouisseurs, bien que cela soit ridicule, lui rend un grand service. Alors, c'est moi ou quand ils se parlent entre eux, genre, Aloy le regarde jamais. Genre, là, elle le regarde, ok. Ouais. Mais par contre, quand elle lui parle, genre, elle parle, mais comme si elle parlait à une araignée au mur, enfin, une araignée au mur ou au plafond. C'est trop bizarre. En quoi accuser les Karja pour les fouisseurs aiderait Ulvund à obtenir sa concession? Tu as vu ici. Bien que nous soyons dans les Lyons, Skorok n'est que rouille
engrenages et bière tiède. Il prétend que les Karja ont lâché des fouisseurs afin de pousser les travailleurs au Céram effrayés à leur obéir. Enfin, disons simplement que personne ici n'a oublié les atrocités du roi Soleil Dément. Et avec l'interruption du travail dans la vallée du Haut-Fouisseur, Ulvund aura tout le temps qu'il veut pour réveiller les blessures encore fraîches. C'est trop perturbant. Les Haut-Céram refusent de travailler tant que la concession ne sera pas signée, tu n'auras pas le choix. En effet. La reconstruction de Cagnard doit se poursuivre. Là, à la limite, briser le quatrième mur à nous regarder, nous, et c'est trop bizarre. Là, comme ça, dans l'animation, genre, elle le regarde. Mais après, par contre, dans le dialogue, elle regarde pas. Elle regarde partout, sauf lui. À la limite, des fois, on dirait qu'elle louche. Mais je pense que ça, c'est un problème d'animation. Ça devait pas être voulu. Mais bon, on est bien sur une quête secondaire, donc voilà. Mais ça fait un peu mal au cul parce que c'est genre la deuxième quête secondaire legit qu'on est censé croiser une fois qu'on a lancé le jeu, quoi, donc bon. Comment tu t'es retrouvé ici? J'ai demandé ce poste, crois-le ou non. Superviser l'ensemble de cette vallée au nom du Roi Soleil, c'était un honneur. C'est un honneur, je veux dire. Mais ta tâche serait beaucoup plus simple si Ulvund ne soufflait pas sans arrêt sur les braises. Ulvund ne partira jamais. Il était ici bien avant moi. Il se prend même pour le fondateur de Skorok. Je trouverai le moyen de vivre avec lui. Il le faut. Ah, par contre, lui, ses animations, c'est impeccable. Hein. Lui, il n'y a rien à dire. Hein. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière? Oui, c'est ce qu'a raconté. Elle l'a regardé, je crois. Terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ, alors. Découvre la vérité. Et peut-être qu'Ulvund cessera d'accuser les Karja de tous les maux qui nous accablent. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnard. Ok. Je suis désolé, hein, mais j'étais mais vraiment trigger de fou. Chercher des fouisseurs à l'ouest de la carrière. Donc là-bas. Donc plus loin que la quête principale. Donc du coup on va peut-être franchement je suis curieux, j'ai quand même envie d'essayer d'aller là-haut parce qu'on est vraiment juste à côté. Et on va aller voir Eren du coup. Et cette quête est active, du coup on verra si c'est sur le chemin. On verra. Là, il faudra vraiment revenir même dans le canyon, hein. Faut vraiment que dès que j'ai de quoi péter les murs ou quoi sous l'eau. Ok, donc faut que je sorte de là. Le jeu est incroyablement magnifique, hein. Juste j'arrête pas de le dire, je sais, mais bon, en vrai tout le monde fait que le dire, hein. De tout ce que j'ai pu voir circuler sur YouTube et tout, c'est que tout le monde est sur le cul Et là le pire c'est qu'on est en mode framerate. Alors j'ai vu que vous sur la capture c'était un peu ternasse. Et dites-vous que vous, sur les VOD, c'est un poil plus ternasse que moi sur mon écran de jeu, en fait. Enfin, vraiment, quand je vous ai dit sur la première VOD, ouais, du coup, je vois pas trop de différence entre le mode résolution et le mode framerate. Mais en vrai, c'est pas bullshit. Hein. Par contre, oui, voilà. Alors, je pense pas à le dire régulièrement, mais je le rappelle. Pensez, si possible, à mettre la VOD en 2K. J'ai fait le comparatif du 1080p et du 2K sur la même VOD, la première d'ailleurs. Ça n'a mais rien à voir. Vraiment, sur la limite en 1080p, c'était un peu dégueulasse. C'était pas aussi fluide que... qu'est-ce qu'on était. Et d'ailleurs, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, ça se trouve... la capture a complètement déconné. Et en fait, je suis allé dans les options de réglage. J'étais en même temps, mais c'est bizarre quand même. Et j'ai vu que c'était qu'en 1080p. J'ai mis en 2K. Et là, mais... Franchement, hein, là, ça fait quoi? Ça fait depuis ça fait 5 ans. 5 ans que je suis sur YouTube. Et bon, certes, avec des contenus d'une qualité douteuse, j'entends bien. Mais vraiment, là, on est sur... en termes de qualité purement visuelle sur la capture que je vous propose. Du jeu. Après, bon, moi, l'animation, tout ça, bon, vous en pensez ce que vous en voulez.
Mais non, franchement, visuellement, là, je suis très 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 satisfait de mes petites VOD en 2K. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous, si évidemment vous pouvez vous permettre de la mettre en 2K. D'accord, faut que je puisse grimper par contre, les gars. Bon, alors ça m'étonnerait pas qu'il faille suivre le sentier. Faut aussi que j'utilise le focus à l'occasion. Parce que là, il y a des points d'accroche, c'est bien. Ok, là, ça grimpe un peu. Je peux monter, toujours pas. C'est chiant. Par où je vais monter, moi. La seule critique que j'ai pu voir pour l'instant sur le jeu, c'est que bon, pour certains, l'intro est un peu longuette. Moi, je trouve pas. Je trouve que justement, elle prend son temps, mais c'est le temps qu'il faut. Oui, non, mais vous me faites marrer, les gars. Ça sert à quoi votre histoire là? Je crois que je peux escalader cette falaise. Je me demande s'il y a quelque chose d'intéressant au sommet. D'accord, ça va être là-bas. Quel intérêt de pouvoir grimper ici, du coup? Est-ce que là, il y a des trucs? Oui. L'arnaque. Et là, quand je vois Horizon, là, la gueule qu'il a, mais... Il est magnifique. Mais le prochain God of War... Parce que là, on est en mode, ouais, guérilla, ils ont fait un taf de ouf. Mais attendez, il y a Santa Monica qui va bientôt débarquer, là. God of War Ragnarok, ça va être nimp. Ça se trouve, ce sera moins beau. Ça se trouve. Ah. Je vais pas m'accrocher, là. Il semble avoir vu un point d'accroche. Oh là là. Le génie. D'accord. Prends une décision, merci. Bon alors certes, on a quelques petits problèmes, des loots qui sont dans les murs, etc., etc. Bon, pour le moment... Rien de dérangeant. Et là, je vous avoue que le pire, c'est que bon, bah là, de tout le week-end, j'ai pas pu jouer. Donc là, bon, on est dimanche soir, donc on peut continuer un petit peu. En plus, j'ai week-end de fou, je suis crevé. Putain, je suis rentré là soir. Ouais, non, vas-y, faut que je continue. Le jeu est trop bien. Le jeu est vraiment trop bien. Et là, même là, je suis juste en train d'escalader une falaise et je kiffe. On doit pouvoir en tirer une couleur vive. Une ancienne tour de Gekarja. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ouais, alors si vous faites le plan que finalement... D'accord, je check. Là, il y a un truc, ok. Bon, en tout cas, voilà, tout ce que j'espère, c'est que pour vous, l'expérience de visionnage est au rendez-vous. Enfin, la bonne expérience de visionnage. Ok, je l'ai dans le fiac. Non, parce que j'ai envie d'aller chercher ça. Ok, on peut grimper là. Good news.
Mais ça, il faut que je le précise à chaque fois qu'on commence une VOD. Oui, mettez en 2K, tout ça, tout ça. J'ai pas le réflexe. Un cuisinier saura quoi en faire. Ah oui, donc c'est parfaitement assumé que certaines plantes qu'on ramasse, c'est vraiment pour la cuisine. Ouais, donc faudra quand même l'exploiter, ça, c'est à mon avis, vu qu'on est en mode difficile. Allez, j'y suis presque. Les bonus via la cuisine, au moins pour la première moitié du jeu, ça va être quasi indispensable. Et hop. D'accord. Un peu décevant. Rien. Ah mais des fois par contre elle me fait des sauts, je suis trigger. D'accord. Pourquoi elle est là? Alors qu'on peut faire ça. Mouin. J'ai réussi. Et voilà un autre de ces dispositifs. Ah oui, c'est pour la fameuse lentille. Une lentille. Je verrai si je peux en faire quelque chose plus tard. Très bien. Je peux voir presque toute la vallée d'ici. Je comprends pourquoi les Karja ont construit cette tour de guet. Oh là là, ouais. Ouais. Voilà, là par exemple, voilà, l'effet de fumée là-bas de la ville et les nuages là derrière, enfin les nuages, les voilà, là, bref, voilà, vous avez vu, hein, voilà, enfin une sorte de brouillard, de brume là, ça pour vous c'est un poil plus terne, opaque que moins visuellement. Et encore qu'en 2K ça va, mais c'est vrai qu'en 1080p c'était un peu dégueulasse. Où vais-je, que fais-je? Qui suis-je? C'est la plante. Oula, par contre les... Faut pas mettre coup de caméra quand elle fait ça. Hein. Sinon c'est tournicoti tournicota. Hein. Hop là. Stomp. Et on est de retour ici. Ok. Faut pas un truc vert briller là. Petit cristaux à ramasser là. L'argent. Est-ce qu'on a pas de la pestiole à chasser à tout hasard? On accumule des ressources. L'exploration des creusets pour ma part. Oh! Où est-ce que tu vas, toi? Le taureau de ses morts. Je me demande si le focus nous permettrait de détecter. Les cristaux. Attendez, on y est déjà allé là? On n'est jamais allé là. La bourse est pleine, mais j'ai de la place dans mon sac. Hein? Bon. Oh bah, je suis désolé, mais bon. Là, les petits objets de valeur, pour l'instant, on n'en fait rien, mais ça va nous être utile plus tard. Hein. Oui, non. Je vais pas faire le ouf. Bon, Aloy a décidé de faire le ouf. Ce n'est pas de mon ressort.
Oh, Christos de Seymour, est-ce qu'on le voit? Oh, on le voit pas avec le focus, hein. On le voit pas avec le focus, bordel de merde. Donc faut vraiment bien fouiller et bien regarder, surtout. Je savais qu'il y avait un truc ici. La ligne verte. J'ai de la chance. Et ça, à mon avis, doit y en avoir une quantité limitée dans toute la map. Donc pour le 100%, si admettons on veut faire le 100%. Et pareil, entre vouloir et faire, il y a une nuance. C'est surtout que voilà, va falloir fouiller de fond en comble. Hop là. Mais les objets de valeur avant, il n'y avait pas un délire de collectif par rapport à ça? Ah non, c'était des reliques spécifiques. Je suis désolé. Paf! Meurtre gratuit. Oh là! C'est qui ça? Échelle de corde. Turlis! Mais attends! Ah, une lettre près, ça, son nom de famille. Bref, mais attends, mais lui, c'est pas le pote là, le. Celui qui était de notre tribu qu'on avait sauvé? Jamais. Bouge pas! Je vais voir ce que je peux faire! Non, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il va faire le tour? Quoi? Comment ça? Faut juste les piéger? Il est écrit détruire les machines près du trappeur au sérum. Arrêtez de me chercher des noises pour rien là, hein. Après peut-être que je peux prendre les pièges. Je peux les récupérer. On gratte. Quoi? Oui, sauf qu'il meurt jamais, donc ta méthode ne marche pas, Michel. Ça se combine à autre chose. Donc maintenant, on se prend les pièges quand on rentre dedans. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Pourquoi tu l'as pas ? À quoi servent ces pièges, à ton avis ? Ben, ça se trouve, il y a un succès, hein. Pour justement utiliser tous les pièges de Michel. Mais est-ce que j'ai vraiment le temps pour ça ? C'est le dernier. Je te montre comment on fait, mec. Quelle journée, mec. Attends. Je prends tes pièges. La force soit louée, t'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. Alors, on peut pas prendre ces pièges, on récupère juste des éclats. Je suis un peu déçu. Ah, ou alors peut-être que, voilà, les. Maintenant, les sbires peuvent mettre aussi des pièges pour nous. Pour nous la mettre à l'envers. Je vois que t'es expérimenté. Et t'as fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là? Ouais, juste avant toi.
Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Mais là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud? Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkin. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Ah oui. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Le Nimbus 2000. Il a l'air de bonne qualité. Ah, ouais. Je peaufine le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que, y a plus de place ici. Et moins de risques de... d'accident. D'accord. Il est arrivé quelque chose à Skorok? Disons plutôt quelqu'un. Laisse-moi deviner. Ulvund. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulvund. Je lui avais refusé. Il ne l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose? Comment va ce vieux Karn? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait de belles, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs? Non. Comme des Karn, ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Il est sympathique, lui. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Oh là là, ouais, mais... Pourquoi pas? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors ça, c'est pas dit. Est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Oui, les lance-câbles, on connaît. Voilà. Ah, et attention à ne pas trébucher sur votre piège. Donc maintenant... Voilà, on peut se prendre nos propres pièges. Les ennemis qui déclenchent le piège à câble reçoivent une charge électrique ainsi que des dégâts électriques indiqués par une icône au-dessus d'eux. Lorsque l'icône de charge est pleine, les ennemis sont électrifiés pour une durée limitée. Lorsqu'ils ont l'altération électrisée, les ennemis sont immobilisés et vulnérables aux coups critiques des attaques rapprochées. Utilisez le focus pour scanner les ennemis et vérifier leur niveau de faiblesse face à l'électricité. Yes. Et ouais. Ok. Ah, mais le lance-câble, c'est pareil, faut l'améliorer. Donc faut peut-être repartir en arrière. Je vais pas m'énerver. Vous savez quoi, hein? On va aller faire la quête secondaire. Ça me donne un piège ou pas? Ça me donne juste des éclats. Bon alors, parce que oui, on a cette quête... Quoi? À chercher les traces des rendes. Alors par contre, on a feu de camp inconnu, feu de camp inconnu. Bon, moi ce que je me dis, c'est que... Bah, feu de camp inconnu, feu de camp inconnu. La quête. La zone de chasse. Ah, oh, mais lui, il me parle de la zone de chasse. Ça rend ouf. Je vais avoir envie d'y aller. Hein. C'est sûr. Faut que je pense à ramasser du bout de bois aussi. Et que je pense à faire ça. Oula, il y a un bail là. Ouais, mais ça c'est le scénario, c'est sûr. Une ruine de l'ancien monde. Je parie qu'il y aura quelque chose tout à l'heure. Faiblesse électricité, évidemment. Hein? Ça a bidé? Oh, ça a bidé. Quoi?
sont le plus dur à poser maintenant, les. J'ai gâché du lance-câble. Mais un fouisseur acide. Bon voilà, alors ça c'était sûrement lié au scénario. Une bobine est désormais disponible dans votre inventaire. Débloquez les emplacements de bobines sur vos... Oui d'accord, d'accord. Les bobines. On s'en occupera plus tard. Ah, c'était peut-être une 4 secondes. J'aimerais assez pouvoir sentir à nouveau mes jambes si ça te fait rien. Ah. Ah, ah, libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Merci infiniment, sauveuse. Juste, Aloy, ça ira. Eren m'a prévenu que t'aimais pas les titres honorifiques. Vous êtes l'avant-garde ? On est là pour escorter les miches délicates de Voidi jusqu'à l'ambassade. Si on arrive à éliminer ces fouisseurs. Le capitaine nous a dit qu'on devait surveiller Skorok. Et c'est là que ces horreurs sont arrivées. On a donné une raclée au premier. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver quand il est tombé. Je t'avais bien dit que c'était pas une très bonne idée de manger autant avant de partir. Je devrais peut-être reprendre la route. En revanche, si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserai à m'écarter quand il tombe. Tu devrais emporter ça avec toi, au cas où. Ça pourra t'être utile. Merci. Sois prudente, Aloy. Il y a vraiment un problème avec les animations d'Aloy, en fait, là. Je suis en train de réaliser que... Déployez des bombes fumigènes pour perturber les ennemis proches et retournez vous cacher. Ok. Cool. Mais voilà, ouais, il y a un petit souci, là, avec les animations d'Aloy, hein. Je garde ça pour plus tard. Ça va pas, hein. Alors... Bon... Qu'avons-nous ici? Une caisse. Une relique de l'ancien monde. Comment faire pour l'atteindre ? Oh. Bon, mais c'est fermé, je vous déteste. Parce que attendez, vous allez vraiment me faire galérer avec la caisse là ? Que là il y a un truc aussi, sauf que j'ai pas de point d'accroche. Oh, c'est tout un parcours. Ah, là il y a un document par contre. Bon, alors attendez, parce que ah, s'il faut tout traverser. Bon, c'est l'emmerdement, mais c'est stylé. Je fais comment pour aller là-dedans, moi ? Pas comme ça, visiblement. D'accord. Mais là, j'ai l'air bien fin, là. D'accord. Péter la porte, hein ? Pas du tout. Pouette. Attendez, c'est bizarre quand même. Qu'on soit stuck comme ça. Non, parce que même si je déplace la caisse, je pourrais pas grimper aux autres endroits. Hein. J'ai pas de point d'accroche en fait. Oui.
On dirait que cette porte a besoin d'un module de clé pour s'ouvrir. Je le trouverai peut-être dedans. Oh putain, ça passe en fait. Ok, ça passe, mais c'est court. D'accord. Mais sauf que là, jamais de la vie ça passe. Yo ! Mmh. Ah d'accord, aussi quand même les rebords, elle a une animation pour... ok. D'accord, il y a une caisse à faire tomber ici. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse un jump de la mort? Ou juste faire le tour? Non. Alors, level design, que me dis-tu? Faux départ. Il y a des données ici. Oui, 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 oui. Je suis sûr que c'était pas ça qu'il fallait faire. Je m'en fous. J'ai plus de place sur moi. Je l'envoie dans ma réserve. Bon, du coup, je suppose que cette caisse, faut la faire tomber. Une caisse. Elle pourrait m'être utile. Mais... Mais... Eh ben merde. Voilà. Il y a un code pour cette porte dans ces données. On va le lire. Non, on va pas le lire. Mais en je fait. Dois toujours trouver un module de clé. Oh non. Oh non. Me fais pas ça, Michel. Qu'est-ce que c'est que ça? Let's go. Quoi? Je suis censé faire quoi avec ça? Oh là là, ouais, d'accord, ok, ils ont poussé le délire jusque là. Oh, c'est le meilleur jeu. Ah mais du coup ça justifie peut-être qu'on devait monter là-haut. Attendez. Non, c'est bon. Bon, je dois trouver la clé de cette porte. Ah ouais, ils ont poussé le délire loin dans les puzzle games, c'est cool. C'est très très cool. D'autres ruines par ici. Mais par où passer? D'accord. Faisons comme ça. Alors. Alors d'autres ruines ici, mais par où passer? Alors, si elle me dit ça, c'est qu'il y a un truc à faire ici. T'as pas tout te prendre dans la gueule là? Un peu plus de lumière ici. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Bon, attendez, du coup on repart en arrière. J'ai... Ah mais non. Bon, je peux plus atteindre le rebord. Ah, mais d'accord, pour faire tomber la caisse. Je vais trouver un autre moyen de monter. D'accord, oui, ok. C'est bon. Non mais comme premier puzzle game c'est cool hein. Mais putain retourne pas.
Vous avez vu First Try, hein. On se retrouve en bas. Bon. Où est-ce que ça mène ? Je regardais juste s'il n'y avait pas des points d'accroche alternatifs pour aller choper... chose en particulier. Voilà. Un module de clé. Putain, ouais. Ah, et c'est à partir de là que je dois pas me chier parce que sinon je suis obligé de tout me retaper. Eh ben Nick. Non, c'est bon. Bon, voyons si cette clé correspond. Là. On dirait qu'il faut un code là aussi. Certaines des données récupérées pourraient m'être utiles. Ah! Votre code permis rouge. D'accord. 1705. Voilà. Kezako. Un ornement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais peut-être le garder avec moi. Être utile plus tard. Ouh, de l'XP, des points de compétence. Oui. Trouver l'origine de l'ornement. Et je fais ça comment? Je fais ça comment? C'est une quête pour plus tard, ça. C'est sûr. Allez, les fouisseurs. Bon, mais du coup, on va traîner un peu, mais... les fouisseurs. Bon, pour moi, monture, c'est moins important. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, on va prendre un peu moins dans la gueule quand on est en santé basse. Technique d'arme identifiable grâce à sa forme de pentagone. D'accord. Les compétences de cette catégorie débloquent une puissante nouvelle attaque pour toutes les armes de la classe. Les techniques d'armes dépensent de l'endurance d'armes qui se régénère au fil du temps. Ok. Ouais, fronde, sauf que la fronde, on l'a pas pour l'instant. Ah, les déchiqueteuses, ça a l'air stylé, ça. Ok. Ouais, plus de concentration. Pourquoi pas. Récupérer plus de ressources de qualité en démontant des pièges. Alors, ça ne m'étonnerait pas que des ennemis posent des pièges. En fait. Donc bon, les traces des reines c'est là, mais bon, on va y retourner plus tard.
Qu'est-ce que ça quoi ? Tour du panorama. Une image de l'ancien monde. On dirait un genre de bâtiment devant une falaise à pic. L'image est incomplète. Mais si je l'aligne exactement avec son lieu d'origine, mon focus pourra combler ce qui manque. Ah. Oui, d'accord, oui, les ruines. Ah, mais il faut que je sois au parfait endroit. Je crois que ça ne va pas. Je dois continuer. Parce que là, il y a les arbres. On dirait que le bâtiment de l'image était près d'une rivière. Oui, non mais... Il y avait peut-être un pont à côté. Parce que, attends, je suis obligé de me galérer comme ça, là ? Il n'y a pas de pont. Non, ça ne va pas. Je dois essayer un autre endroit. Bah, moi, je pense que c'est ça. Ah oui, mais oui, d'accord, le pont. Attends, moi, ce qui me trigger, c'est que les bâtiments, ils sont... Ok, si, c'est bon, je vois où c'est. Ok, c'est bon, je l'ai. Je peux me déplacer comme ça. C'est bon, j'ai. En fait, j'avais peur de lâcher et de perdre. Les ruines d'un pont. Peut-être. Et voilà. L'image complète m'a débloqué un fichier de données. On dirait que ces panoramas étaient conçus par Myriam Technologies. C'était l'entreprise d'Elisabeth. Je me demande si je peux en trouver d'autres dans la nature. Et ça fait quoi du coup ce panorama ? Il y a un ennemi qui a pris cher là. Ça, c'est stylé ça. Attends, avant on pouvait pas siffler. On a encore la quête à faire, hein, c'est un scandale. Hein. Oula. You speed me run, run. Je dois trouver un creuset pour apprendre à pirater des machines. Attends, parce que si on utilise une smoke et que dans la smoke on élimine un ennemi, normalement ça passe ou... Les ressources, hein. En plus, j'ai tué un piaf, faut que je le retrouve. Voilà.
Une bonne chose de faite. On est bientôt au niveau 8, hein, comme quoi j'ai bien fait d'aller vers cette quête annexe. Par contre, je sais pas pourquoi il avait pris aussi cher. Voilà la carrière dont Turly. Je suis pas vénère. Je retrouverai ça dans ma réserve. Ça a l'air immense. Bon, je vais aller là-haut. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Ah, ça m'étonnerait même pas que le scénario ça soit ici. En fait. Donc il y a limite moyen que après, genre une fois qu'on a réglé les bails là-bas, Javed, on s'arrête là. Les fouisseurs avaient été repérés à l'ouest. Et on peut peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée. Prochain épisode, on s'occupera d'aller checker ce qu'il y a là-bas. Sait-on jamais? Ça se trouve on va pouvoir faire un 2 en 1 sur la validation. Un fouisseur mort près des chutes. Je devrais aller voir. On dirait que l'impact l'a tué. Il s'est peut-être jeté du haut de la falaise. Je devrais continuer de suivre la piste. On peut grimper ? Je vois qu'on peut grimper ici et là. Bon, je vais suivre là, par là, sans doute. Oh! Petit endroit inconnu. Je te déteste. Des machines détruites. Et un piège. On dirait que quelqu'un a voulu sécuriser cette piste. Muscle de machine, d'accord. Parce que suivre le chemin à l'arrière de la vallée. Ouais, mais attendez. Oh putain, mais il y a un milliard de trucs. Vas-y, je continue par là. J'ai pas non plus envie que l'épisode soit trop long, je vous avoue. Donc, voilà. Allez, il faut grimper là-haut. Putain. Une couleur intéressante pour mon armure. Eh ben c'est bien. Juste le jeu est immense. Il y a des trucs partout à voir. Yo. Les prières seront entendues. Nous devons rester patients et vigilants. Notre voix nous sort de grâce. Laisse-nous tranquilles. Nous n'avons rien pour toi ici. Eh ben, grosse ambiance. C'est une limite de map, c'est ça? Peut-être. Mais bon, je pense qu'on... Enfin, vu qu'on peut aller en haut, bizarre. C'est une barrière en scénarium, c'est ça? Oh ouais... Je sais pas qui se trouve ici, mais... J'ai l'impression de pas être la bienvenue. Ouais, bon, plus tard, c'est ça?
on va dire ça. Oui, c'est quand même très très beau, donc ça m'étonnerait que ça soit pas exploité. Bon, ben d'un côté, bonne nouvelle. Flemme, hein. Mmh. Oh, petit cristal. Encore un fruit sur mort. Une mine. Comme si un troupeau était passé. C'est de là que viennent les fouisseurs. Mais comment? Que? À moins que cette grotte ne mène hors des couards. Attends. Oui, voilà. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Je dois avoir un milliard de trucs dans ma réserve. Une fois sur deux, quand je mets un truc, c'est pour la réserve. Le rocher fondu. Bon. Voyons un peu où ça mène. D'accord, donc c'est considéré comme une baie de soins. Les voies se sont effondrées. C'est récent, on dirait. Est-ce qu'il serait pas je tombé? Je peux pas passer par là. Je peux descendre. Est-ce qu'il serait pas tombé dans une fosse où justement il y a tous les il y a tous les sbires là? Il y a un fouisseur mort en bas. Les voies ont dû céder sous son poids. On apprend justement à contrôler les types de machines. Ça c'était dans le premier, c'était vraiment stylé. Je sais plus comment on appelle ça. Elle en a parlé en plus, Aloy, plus tôt, dans le jeu. Les endroits là où on connectait la lance pour. On affrontait des gros monstres. Ça faisait très ambiance Matrix. Et oui, on connectait la lance pour justement avoir accès à plus de types de piratage de machines. Il y a de la fumée qui vient du fond de la mine. Une explosion? Des fouisseurs. On dirait qu'ils sont pris au piège. Je vais devoir les abattre avant de fouiller la zone. Putain, non. Jamais tapé. Piège en plus. Incroyable. Quel joueur.
Et si je fais ça, hop là. Très bien. J'en ai plus. Je cherche d'où vient la fumée. Alors, il va m'en falloir un meilleur lance-câble. Parce que mon lance-câble, là, il est claqué au sol. Est-ce qu'un jour elle va nous dire qu'il n'y a plus de place dans la réserve? D'accord, je vais juste voir si là-haut il y a d'autres choses. Contient de la flambée très inflammable. Non. Je vais peut-être débloquer quelque chose pour tout faire péter. Non, je me rappelle avant qu'il y avait ce système de flambée, mais je me rappelle plus du tout comment ça fonctionne. Mais on dirait que la mine est très profonde. Ce grappin est incroyable. Il y a beaucoup de flambées en bas. Oui. Il y a assez de flambées ici pour faire sauter une montagne. Il y a un message sur l'un de ces barils. Hein ? D'accord. Ah ! Un message adressé à Olvun. On dirait que cette mine n'est plus censée être exploitée. Olvun a voulu gagner de l'argent. J'y vais creuser toujours plus profond. Je devrais aller dire à Javad ce que j'ai trouvé. Oui, alors deux secondes. Javad le volontaire, c'était qui déjà Javad le volontaire? C'était le... Le politique, là. L'émissaire ou je sais pas quoi là. Qui nous attend à la taverne. Bon, et ben. Comment dire? J'ai quand même envie, dans le doute, de ne pas retourner là-bas. Pour la simple et bonne raison qu'on va aller clean ce qu'il y a juste à côté. Alors Olvun continue les explosions dans la mine pour essayer d'en tirer des ressources. Jusqu'à sauf que les fouisseurs ravagent tout. Comment on fait pour péter ça? Les explosions ont peut-être ouvert un passage. Mais vers où? Ouais, je peux pas. Hein. Mais je peux pas, genre, prendre un truc comme ça pour le. Bon, bref. Donc, ouais, là, juste en dessous, on a la carrière ou je sais pas quoi là. Allez voir. Mais ça, du coup, ce sera pour le prochain épisode, car il y a sûrement Eren qui se trouve sur place. Donc, il va y avoir beaucoup de parlottes. Disons-le ainsi. Et... Mais je suis vraiment un kiki, il y avait un... Bon, bref. Allez. On n'a rien vu, rien entendu. Bref, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a un peu mieux les traces des rends. Ah ouais, mais attendez, les gars. Alors, j'espère juste que si on va checker ça et que Eren est censé y être,
En fait, j'espère juste qu'ils vont pas me faire le plan que ouais, lol, t'as pas suivi la quête là, du coup, tu peux pas trouver Eren là-bas. Bon, alors, je vais valider la quête maintenant. Oups. C'est pas si loin. Hein. Allez, on va valider la quête maintenant. Et ça va peut-être en débloquer une autre. Nique le scénario. On vit nos propres aventures. Ouh là là. Ça m'a l'air parfaitement audacieux. De sauter. Ça, c'est pour la réserve. Ok, on les voit en violet. On les voit en violet sur le focus. À moins que... C'est quoi ça? Ça a l'air important. Oh, grand temps. Oh, 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 oh. Oui. Il y a un passage. À l'aide. Je sais pas où je vais. À l'aide. C'est la fin. Oui. Je vais mourir. Je suis tellement mort. Quoi avec la lumière verte? Mais l'angoisse. L'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Je suis mort. Hé, hey, Rookin, t'approche pas, c'est trop dangereux. Nous on fait pop ici. C'était où? C'était où la cascade de ses morts? Oh non. C'était là? Comment dire? Alors bon, normalement plus tard je suis censé débloquer un item qui me permet de respirer sous l'eau. Voilà, et ça bon, ça a été vachement vachement spoilé dans tous les sens. Donc, attendez, je vais pas faire le dingue. De trucs. Putain, prends tout, je t'en supplie. Ah, sauf qu'à mon avis, je suis pas censé venir maintenant. Bon, attendez, dans le doute, je vais revenir en arrière. Prendre de l'air. On va aller directement au fond, sans faire d'arrêt. Je sais pas si je fais bien d'aller lentement plutôt que d'aller vite. Ah, y a une tonne de trucs là-bas, mais le problème c'est après c'est le retour. C'est un plan cul. Je vais remourir. Est-ce qu'on peut prendre de l'air? Je pense pas qu'on puisse prendre de l'air ici. On est trop profond. Ah si ! Oh oui ! Oh oui ! Le loot ! Le loot est à moi ! Je sais pas où je suis, hein. Je suis perdu. Hein.
Ah non, on peut pas aller plus profond. Oh l'enculade. Indisponible. Non. Tu te fous de moi? L'angoisse. C'est par là. Eh ben non, c'est pas par là. C'est par où? Oh, je suis... Ça y est. Paumé dans les abysses. Non. Ah, typiquement, ce que j'aime pas dans ce genre de situation. Je sais plus où est la sortie. Je suis complètement perdu. Et déjà là il met le message de ouais t'as pas encore les équipements qui... Voilà. Donc ça veut dire que... C'était là. Ok. Ok. On va... Oh non, on meurt pas comme ça. On meurt pas comme ça. Quoi? Je crois que c'était par là. Hein. J'en ai marre, je veux sortir de là. Nick. Ah mais il y a encore un truc là-dessous et... Oh l'angoisse. Bah il y a encore un truc là-dessous mais... À l'aide. Heureusement que j'ai dit que c'était à côté. Bon là, désolé les gars, mais j'ai pas le temps. Il y a une échelle à faire tomber là-haut. Sûrement qu'il y a des trucs importants là. Alors, que se passe-t-il ici? Chemin bloqué. Comment ça, chemin bloqué? Elle va m'attaquer. Oh, elle va m'attaquer. Camille. À moins que...
Non. À moins que... Oh non, mais non, mais j'ai pas que c'est ça. Par en dessous. Bon, et ben plus tard. Sois la bienvenue, étrangère. C'était un mur. Heureuse ? Quelle nouvelle apportes-tu ? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière. Il semblerait qu'ils soient sortis furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine ? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver ? Je ne sais pas, mais les ouvriers d'Ulvund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long, et ils vont même au-delà des couards. Non, tu crois pas que... Ulvund a ouvert un passage vers l'autre côté ? Peut-être. Oui, c'est possible. Et si c'est vrai, il nous faudrait des preuves. Une enquête tellement approfondie, tellement exhaustive, appuyée par la sauveuse. D'accord, je poursuis l'enquête. En quoi accuser les Karja pour les fouisseurs aiderait Ulvund à obtenir sa concession ? Tu as vu ici. Bien que nous soyons dans l'Hélium, Skorok n'est que rouille, engrenage et bière tiède. On avait déjà fait ça. Il prétend que les Karja ont lâché des fouisseurs afin de pousser les travailleurs au serre. Non, on l'avait déjà fait. Enfin, et avec l'interruption du travail, Ulvund aura tout le temps qu'il veut pour réveiller. Oui. Les Oseram refusent de travailler tant que la concession. En effet. La reconstruction de Cagnard. On l'avait déjà fait. Il faut que j'y aille. D'accord. La quête n'est pas validée ? Si je veux trouver aussi. Où les fouisseurs sont entrés, je dois continuer vers l'ouest. Ah ! Pas en plus pour que l'ambassade ait lieu. Ah, plume de voûte. Ah, il me montre les endroits. Oh. Ok, il montre les endroits, c'est cool. Alors du coup, je l'ai, la quête, encore ? En attente. Ok, c'est... Ok, il faut avancer dans le principal. D'accord. Bon. Bon, on va enlever ça, déjà. Et du coup, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Et prochaine fois, on s'occupe de la principale, c'est promis. Voilà. Et j'espère vraiment que je vais débloquer rapidement les équipements qui me manquent pour finir d'explorer là tout ce qu'on a vu, parce que ça me frustre terriblement. Bref, bisous YouTube, et à très vite pour la suite de nos aventures. Et portez-vous bien.